toi, partout j'ai pas. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Je suis une étoile, partout je passe. Je brille. Amen. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Est-ce que tu m'as bougé? Aujourd'hui. Aujourd'hui. On se lève tous. Nous allons, dans cette même atmosphère, recevoir notre orateur. Et je veux qu'on acclame très fort pour recevoir la bouche autorisée de cette église, l'ange de cette église. Le prophète Major acclame le Seigneur, prophète Yvon acclame le Seigneur. Nous allons prendre rapidement notre Bible. We take our Bible quick. En 1 Corinthiens, in 1 Corinthians, le chapitre 13, the chapter 13, le verset 1er, and the first verse. Jusqu'au verset 3. From the third, to the third verse. On ira même peut-être même jusqu'au verset 5. Maybe I will go maybe to 5. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties sont abolies, les langues cesseront. Amen, amen. On va aller tout doucement. Amen, parce qu'aujourd'hui ça ne sera pas une prédication. Mais ça sera un enseignement rempli de révélations. Allons-y. Allons-y, tout doucement, à partir du verset premier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Mm-hmm. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Mm-hmm. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie, mm-hmm. car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Ferme les yeux. Seigneur, je te bénis. Toi qui es le maître de ce moment, permets que je sois effacé pour que tu sois vu. Éternel, tu es Dieu. Mets ta parole dans ma bouche. Car ton assemblée qui s'est déplacée pour venir cet après-midi, il n'est pas venu écouter un homme, mais il venait écouter Dieu. Il n'y a que toi seul qui es capable, notre Père, de combler le vide qui est en nous. Seigneur, tu as vu la souffrance de ton peuple. Tu n'as jamais suscité une armée. Mais la Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Je prie que Père, que toute personne qui est venue étant chargée, à travers cette parole, soit déchargée. Tous ceux qui sont venus avec le cœur maîtris, à travers cette parole, soient consolés. Seigneur, tu combles le vide qui est en nous.
parce que ta parole est au-dessus de tout. Parce que la Bible dit que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Permets que ta parole demeure dans notre cœur, afin que, Père, nous soyons des témoignages vivants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai compris beaucoup de choses. And there's too many things. Amen. Vous savez, à l'église, in the church, nous pouvons prier. We can pray. Nous pouvons prophétiser. We can prophesy. Nous pouvons faire des délivrances. We can have the, do deliverance. Nous pouvons même jeûner. We can fast. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. There are something we forget. Il y a quelque chose qui nous rassemble. There are something we gather us. Il y a quelque chose qui fait que nous viendrons à ces lieux. There are something we bring us. Parce que nous ne venons pas pour un homme. We don't come for a man. Mais nous venons pour quelqu'un. We come for somebody. Ou pour une personnalité divine. A divine personality. Qui a donné sa vie pour who nous. Gave his life for us. Donc c'est la raison qui nous rassemble ici. This is the reason we are donc here. Si nous sommes ici, if you are here, nous ne sommes pas là à cause de nous. We are not here because of nous ne sommes pas là à cause de quelqu'un. We are not here because mais of somebody. Nous sommes là à cause de quelqu'un. We are here because qui a porté nos péchés, who carry our sin, qui a porté nos fardeaux, who carry our burden, qui a porté nos souffrances, who carry our suffering. Et cet homme-là, that man, s'appelle l'amour. They call love. Vous savez, you know, Christ, Christ, quand Pilate l'a vu, when Pilate saw him, Pilate a dit, Pilate said, je ne vois aucun péché en cet homme. I see no sin in him. Pour pouvoir le faire du mal, for me to do evil to him. Donc relâchez-le. Pilate s'est trompé. Pilate was a, pourquoi? Made a mistake. Why? Parce que le péché, the sin, n'était pas en Jésus. We're not on, in Jesus. Pilate ne devait pas regarder en lui. He's supposed not to see in him. Mais Pilate devait regarder sur lui. He's supposed to see on him. Ce qui a fait que Pilate s'est trompé. That's why Pilate made a mistake. C'est que Pilate n'a pas regardé sur lui. He did not look at on him. Mais Pilate a regardé en lui. He look at on him. Or Jésus n'a pas de péché en lui. Jesus doesn't have la Bible dit il a porté nos péchés sur lui. Celui qui a le péché en lui. The one who has the sin, c'est lui qui est le pécheur. He's the sinner. Mais celui qui porte le péché the one who carry n'est the sin, pas le pécheur. He's not the sinner. Quelqu'un ne me comprend pas. You don't understand. Je veux dire à quelqu'un, I want to tell Christ you, n'a pas le péché en lui, Christ has mais Christ a porté ton péché, but he carry Christ your a porté ton fardeau, he carry your burden. Christ a porté ta souffrance, he carry your suffering. Christ a porté tes erreurs, he carry your mistakes. C'est la raison that's why qu'il a mené à la croix. He went to the cross. Mais j'irai plus loin. I go further. Nous sommes à l'église, we are in the church. Nous dansons, we dance. Nous prions, we pray. Mais il y a quelque chose there are some things qui nous manque, we lack. C'est l'amour. Love. J'étais en train de prier hier. I was praying yesterday. Où Dieu me disait, God said to me, va à l'église. Go to church. Et que ton thème soit, but your theme should be, l'amour. The love. Est la clé. Is the key. De la bénédiction. Of the blessing. Surnaturelle. Or supernatural. Touche ton voisin et dis-lui, c'est l'amour. Love. Est la clé. Is the key. De la bénédiction. Of the supernatural. Surnaturelle. Blessing. Mais écoutez, listen. La Bible dit à 1 Corinthiens, the Bible says, first le chapitre 13, the 13, à partir du verset 1er, from the first verse, la Bible dit ceci, the Bible says, il dit même si je parle la langue des even anges, I speak in the tongues of angels, même si je prophétise, even I prophesy, et que je n'ai pas l'amour en moi, and I don't have love, je in ne you, suis rien. I'm nothing. Il y a quelque chose qui me choque. Something shocked me. Pourtant la Bible dit, the Bible says, la prophétie, the prophecy, le don de la prophétie, the gift of prophecy, ou le mystère prophétique, the prophetic est le plus grand de tous les mystères. Is the greatest. Mais comment se fait-il, why, que l'amour, love, est au-dessus, is above, de la prophétie, of a prophecy. La Bible a parlé de Noé. The Bible talking about Noah. Noé est venu. Noah came. Il a apporté le déluge. Mais le déluge n'a pas changé l'humanité. He didn't change the human. Noé a tout fait. Noah did mais all. Noé n'est pas le salut. He was not the salvation. Élie a tout fait. Elijah did mais all. Élie n'est pas le salut. Elijah was not the Samson salvation. A tout fait. Samson did mais all. Samson n'est pas le salut. Samson was not the salvation. Élisée a tout fait. Elisha did mais Élisée all. N'est pas le salut. Elisha is not the salvation. Pourquoi c'est Christ qui est le salut? Why Christ is the c'est salvation? Parce que de toutes ces personnes, all those people, plusieurs ont fait des prodiges. They have seen and wondered, mais jamais, never, ils n'ont accepté they accepted d'aller à la croix to go to the cross pour d'autres personnes. For others. Celui qui cultive l'amour en lui the one who cultivated love est in plus grand même que celui qui est riche. Is greater than the one who c'est is quoi rich. L'amour? What is love? L'amour est un sentiment love is a feeling intense, so intense qui pousse deux personnes. Who? Push two people à s'unir together, ou deux personnes or two people à marcher ensemble to work together, et à s'aimer and to love one parce que another. L'amour love est capable is able d'amener deux personnes to bring people, two qui people sont venus des sens différents from a, mais à se comprendre to understand one à another, partager tout to share à marcher together, ensemble to work together.
Plusieurs nous venons à l'église. Many we come to church. D'autres prophétisent. Some prophesy. D'autres chantent. Some sing. D'autres sont des hôtesses. They are hostess. D'autres sont des batteurs. They are drummers. D'autres font partie du peuple. They are going to, they mais are ils people. N'ont pas l'amour de Dieu en eux. They don't have a love of God in them. Aujourd'hui, today, je parlerai de l'amour. I will talk about sur plusieurs aspects. Many aspects. Quand vous regardez la croix. When you regard the cross, la croix contient deux types d'amour. It has two love, kind of love. Il y a l'amour horizontal, the horizontal love, et l'amour vertical. And the vertical love. C'est quoi l'amour horizontal? What is horizontal mais Jésus love? Pouvait venir mourir sur une croix. Jesus could have died on the cross. Qui ne fait pas le signe plus. And would not make a on pouvait mettre seulement un seul bois. Only one et il allait mourir comme ça. And he would die like that. Mais quand vous voyez la croix, when you see the cross, c'est une partie verticale, it's vertical, une partie horizontale. Horizontal. Quelqu'un dit révélation. C'est révélation. Mais c'est quoi l'objectif? What is the object? Qui a amené Jésus à mourir jusqu'à la croix? To die on the cross. Qu'est-ce qui a poussé Jésus? What put Jesus? Mais il a fait les mêmes prodiges que Noé a fait. As Noah. Il a fait les mêmes miracles que Élie a fait. As Elijah mais qu'est-ce qui amène Christ, what put Christ à mourir à la croix pour nous? Die on cross for us. Il y avait deux raisons. There are two reasons. La première raison, the first reason, c'était d'unir les hommes to unite people, men, avec Dieu. With God. Amen. United men with God. L'amour vertical. Vertical love. Et là, ça monte là, come ça from. Descend. Le plan de Dieu, the plan of God, c'était d'abord d'unir les hommes to united men avec Dieu. With God. Amen. Yes. Et l'amour horizontal, and horizontal il y one, avait deux personnes qui étaient à côté. There are two people around c'était there. Maintenant pour unir les hommes it will not avec men les hommes. With men. Mais il y a plusieurs qui viennent à l'église. Many come to church, ils oublient quelque chose. They forget one ils disent thing. J'aime Dieu. They say, they love God. Moi j'aime le Seigneur. Me, I love the Lord. Pour Jésus, for Jesus, je peux tout faire. I can do everything. Pour Jésus, for Jesus, je peux me coucher. I can pour Jésus, for Jesus, je peux mourir. I can die. Mais pour ce prochain qu'il for voit, il n'est pas prêt. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Nous sommes à l'église. We are the church. Mais on ne pratique pas de l'amour. We don't practice love. Tu n'as pas l'amour pour ton prochain. You don't have love for your neighbor. La Bible dit ceci. The Bible says, l'amour the love n'est pas envieux. It's not envious. La Bible dit. The Bible says, l'amour love n'est pas envieux. It's not envious. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église. There are some people who come to church. Dès qu'ils voient la soeur a changé, well, see the sister has il n'est pas content. He's not happy. Et moi? What about me? Mais tu es envieux. You have too much mais tu n'as envie. Pas l'amour de Dieu en toi. What, there is no love in, ce God qu'on oublie you. Souvent, what you forget, si on n'a pas l'amour, if you don't have love, ça tue le don qui est en nous. It kills the gift you have in you. Il y a plusieurs personnes. There are many people, ça fait 10 ans. 10 years, ils sont à l'église. They are mais ils parcourent des églises. They are quand tu vas lui demander, you are asking, il va dire, tu vois le pasteur qui est là. You see this pastor, il est venu en 85 ici. He came 85, il a commencé son église. He started the ministry. J'étais avec lui. I was mais tu as vu comment il est tombé? You know how now he's down. Pourquoi? Why? Depuis 85, since 85, tu as connu ce pasteur. You saw that pastor. Et ta vie est toujours pareille. And your life stays the same. Il y a quelque chose qui manque. Something you lack some things. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Today I'll talk to you about love. Si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, if you don't have love in your heart, on va pas prier. We will pray. On va pas prophétiser. We will prophesy. Rien. Nothing. Ne va se produire. Will happen. Dans votre vie. In your life. Parce que si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, if you love God you don't see, c'est pas ton voisin que tu vois. And your neighbor et tu ne peux see, pas l'aimer. You cannot love. Parce que Dieu ne le voit pas. God, you don't see. On voit Dieu you see God, au travers d'une personne. Through your neighbor. Et la personne au travers de qui tu vois Dieu. And the person mais tu ne l'aimes pas. You don't love. La Bible dit l'amour n'est pas envieux. Love is not envious. L'amour ne cesse point le mal. Lord is not envious. Mais il y a des personnes pourtant ils sont assises. Some people are sitting here. Ils méditent la chute de l'autre. They meditate the downfall of others. Telle personne doit tomber. This one to fall. Il ne doit pas s'en sortir. It should not come out. Il ne doit pas me dépasser. It doesn't have to overtake me. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Si tu peux te sacrifier pour Dieu, if you can sacrifice yourself for God, mais celui que tu vois, and the one you see, tu n'arrives pas à te sacrifier pour you cannot lui. Sacrifice yourself for him. C'est que Dieu n'est pas en toi. It's not, it means God is not in you. La Bible dit ceci. The Bible says, si je prophétise, if I prophesy, et que je parle même la langue des anges, he can speak the et si je n'ai pas l'amour de mon prochain, and I don't love je suis comme un bal qui retentit. I am like a gong. C'est un bal. Touche. The same ball. Fais encore. Fais encore. Fais the encore plus fort. Fais encore plus fort. La Bible dit. You know, celui qui parle en langue, the one who speak in même tongue, qui prophétise, and he prophesy, même qui est converti, s'il n'a pas l'amour de Dieu en lui, if he doesn't have a love il est comme of God, une cymbale qui retentit. Like a cymbal who make vas-y a encore. Make a, c'est des personnes you know, people, qui sont dans l'église. They are the church, ils ne cherchent pas à faire. They don't try ce to qui do va plaire à Dieu. What to please God. Mais ils cherchent à faire they don't try ce to qui do va plaire aux hommes. What to please men.
Tu es comme cymbale qui retentit. You are like a cymbal. Mais nous avons beaucoup de cymbales dans l'église aujourd'hui. You have many cymbals in the church. Il y a des cymbales auprès de vous. There are cymbals. Il y a des cymbales à côté de vous. There are cymbals. Il y a des gens dans l'église. There are people in the church. Ce qu'ils doivent faire. What they have to do. Faut qu'on parle de ça. They have to talk about it. Si on ne parle pas de ça, if they don't talk about il n'est pas content. They are not happy. Écoutez-moi bien. Listen to me. Celui qui a l'amour en lui, il n'est pas comme cymbale qui retentit. L'amour est discret. Love is so discret. L'amour est patient. It's patient. C'est moi. It's me. On doit que me voir moi seul. They have to see me alone. Je suis celui-ci. I'm the one who... Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Même souvent dans nos couples. Even our couple, l'amour love peut nous amener can lead us à tout pardonner. To forgive everything. Mais il arrive dans des foyers. They have a home, some home. Où le monsieur the man veut que ce soit lui seul. Only him. La femme doit tout lui donner. The woman has to elle give doit him tout faire. Have, have to l'amour n'est pas égoïste. Love, quand tu love aimes, tu partages. Where you love quand you tu share. Aimes, tu partages. Where you love you share. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Le fait que tu viens à l'église. The fact you come to church. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Et la Bible va plus loin pour dire. Baba, même hein? Si j'arrivais. Even à people, partager tous mes biens. To share all my benefits, à donner tout ce que j'ai. To give everything si je n'ai pas l'amour. If I don't have love, ce n'est rien. It's nothing. Mais le verset m'a choqué. I was so shocked with the verse. Vous savez pourquoi? Do you know why? Mais attends. You know, quelqu'un qui prend, qui donne. Somebody who gives. Qui fait tout. He does everything. Et la Bible dit encore que says, s'il n'a pas l'amour, if he doesn't have love, il n'est rien. It's nothing. Vous savez ce que ça veut dire? Do you know what me? L'amour, love, ce n'est pas le geste que tu fais. It's not the action you do. Mais c'est la motivation, it's the motivation qui te pousse à le faire. You. C'est ça l'amour. This is love. Je veux dire quoi par là? I want to say je vais what? Plus loin. I go further. Parce que j'ai dit, on ira de révélation en révélation. I say, I'll go revelation. L'amour, love, dépend de ton intention. Depend of your intention. Parce que tu peux connaître quelqu'un qui est dans un besoin. You can know somebody who is mais quand tu viens l'aider, when you come to help him, ce n'est pas dans le but de le soutenir. It's not in the order to mais support tu viens l'aider you come to help pour qu'il him puisse parler de toi. So that can talk ce about n'est pas you de l'amour. It's not waiting for l'amour love ne se sent point le mal. It's not that il y a des gens comme ça. There are people like that. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. L'amour peut faire poser même une action. Love can make an action dans le secret. In the secret. Quand tu as l'amour, when you have love, ce que tu fais, what you do, tu ne parles pas de ça. You don't talk about it. C'est ceux qui t'entourent, those who are around qui you, parlent de ce que tu fais. They talk about what you are doing. Lui, il était là, il n'avait rien ici. He was here, I was j'ai tout fait pour lui. I've done all. Lui peut parler devant moi. Now you're talking before ce me n'est pas de l'amour. It's not love. Je vais plus loin. I go further. L'amour love n'aime pas les ragots. He doesn't like a criticism. L'amour love n'est pas dans l'hypocrisie. It's not in hypocrisy. L'amour, ce n'est pas le geste que tu fais. It's not the action. Mais qu'est-ce qui te motive à le faire? The motivation of that si action. Tu l'as fait pour glorifier Dieu, if you did to glorify God, tu as l'amour. You have love. Mais si tu l'as fait pour toi-même glorifier, if you did to ce glorify n'est yourself, pas de l'amour. It's not love. Je vais plus loin. I go further. La Bible dit que l'amour est patient. Love is patient. L'amour est persévérant. Love persevere. L'amour n'attend rien en retour. He doesn't expect something mais il y a des back personnes. There are people quand il a fait quelque chose, when he has done something, il attend que tu lui dises merci. Il te poursuit même pour le merci. He's kissing you for, to say ce n'est pas de l'amour. It's not love. Celui qui n'a pas l'amour, if you don't have love, il est comme une cymbale qui retentit. Like you are cymbal, et tu fais bruit. You make noise. Tout ce que tu as fait, Paris doit être au courant. Everything you have tout done, le bien Paris que tu as fait, tout le monde doit être au courant. All the good thing you have done, Paris has to know. J'irai plus loin. I go further. La Bible dit ceci. The Bible says, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. We are like a cymbal ça veut dire quoi? What does it mean? Donne-moi la baguette. Give me. Si je ne frappe pas, if I don't beat, est-ce que ça fait du bruit? Can it make noise? Je vais vous donner une révélation. I'll give you a revelation. La Bible dit ceci. The Bible says, si tu n'as pas de l'amour, if you don't have love, tu es un cymbale qui retentit. Like you are a cymbal making il y a noise des cymbales dans l'église. There are cymbals quand, quand tu le vois, when you see them, sans même que le pasteur ne prêche, without the pastor preaching, il peut se lever pour faire des actions. But can do some action. Mais tant que le pasteur n'a pas frappé fort, if the pastor doesn't make noise, n'a pas prêché pour faire couler sa sueur, he doesn't preach to make n'a pas sweat, frappé pour faire beaucoup de bruit, make a lot of ce noise, qu'il a ne sortira pas. What he has, he will never ce can n'est pas de l'amour. It's not love. Ce n'est pas de l'amour. It's not love. Viens donner.
Come and give. Dieu fait ceci. Come and do this. Mais quand tu as l'amour de Dieu en toi, when you have a love of God, quand tu es assis à l'église, when you are sitting, ton objectif, your focus, c'est d'abord combler le vide qui est en Dieu. Is to activate. Que faut-il faire pour plaire à Dieu? To feel, to une God. Personne qui plaît à Dieu. We are to please God. Arriver à certains niveaux. Level, quand Dieu rentre en contact à lui. When God, quand Dieu rentre en contact avec lui. When you are in contact Dieu with commence God. À faire des choses God qui commencent à lui plaire. And will please you. Est-ce que quelqu'un me comprend? Do you understand? Il y a des cymbales dans l'église. Écoutez. Listen. Quand vous avez l'amour, when you have love, vous êtes plus grand même que celui qui a des bâtiments. You are greater than the one who have buildings. Et la clé, the key, de la longévité, of the longevity, c'est l'amour, is love. Parce qu'une personne, a person, qui ne se sent point le mal, who doesn't, une personne qui n'est point envieux, he is not envious, une personne qui n'attend rien en retour, he is not expecting something, il vit back. Longtemps, he live long. Il vit longtemps. He live long. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. I'll tell you a story. J'avais prié woman. Pour elle. I pray for her. Cette dame là. That woman, on lui a dit que son oncle devait la tuer. But the man supposed to kill. Pourquoi? Why? Parce que le neveu, the nephew, de l'oncle était dans sa maison. Was in house. Le neveu partait du au village. The nephew went to que cette the femme est mauvaise. The woman is la femme de mon oncle est mauvaise. Tout ce que mon oncle a. What my uncle quand je viens, when I come, elle ne me donne pas. She doesn't give même me pour aller à l'école, to elle ne me donne school. Pas de l'argent. She doesn't give me money. Donc quand l'oncle au village a appris cela, when they heard it, il a décidé de venir la tuer. They come to kill, they decide to mais quand l'oncle est arrivé du village, when the uncle came, quand il a mis les pieds dans la maison, when she put a step in the et la dame l'a reçu, the woman received it, elle lui a donné du vin, il a bien mangé. Everything she eat elle a changé même ses vêtements. Changes, elle a préparé une bonne chambre pour lui. She prepared a good et puis elle lui dit, oncle, and she said, quand tu vas te réveiller, when you wake up, voici le chauffeur. This is the driver. Il peut même t'accompagner pour faire toutes tes courses. He can see you off everywhere. Mais voici l'enveloppe que je te donne. This is the envelope I'm giving quand you. Tu vas sortir, when you go pour out, faire tes courses avec. You can do all your que l'oncle a pris. Shopping with you. When the uncle saw it, regardé. When you look at it, his thought began to change. Un travail a commencé à se faire. His thought began to change. Quand vous pratiquez l'amour, when you practice love, l'amour est une muraille devant vous. Law is a wall around. Quelqu'un ne peut pas se lever pour venir te faire du mal. Nobody can come and s'il arrive à le faire, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. If he had, is able to do it, God cette femme, allowed, that woman, quand ce monsieur, when that man, il arrivait dans la maison, il était venu pour une mission. He came for a mission. C'était pour tuer cette femme. Is to kill that woman. Mais quand il a regardé ce qu'elle a fait, when she look, he look at et what ce qu'on l'a dit, and what they said, c'est le contraire. It was the opposite parce case. Que quand tu as l'amour, when you have love, l'amour est comme un miroir. Love is like a mirror. En tes mains. In your hand. Peut-être que toi-même tu n'arrives pas à te voir. Maybe you cannot see yourself. Mais celui qui vient te faire du mal, the one who come to see quand you, il se regarde dans ton miroir, he look at et qu'il voit mirror. Que tu pratiques de l'amour, and see that you il se retourne avec ce qu'il est venu faire. He go back with you what he has come to do. Touche ton voisin, tu lui pratiques l'amour. Touch your neighbor, say practice love. Non, touche, tu lui pratiques l'amour. Practice love. Dis lui que pratique l'amour. Practice love. Dis à quelqu'un pratique l'amour. Practice love. Dis lui aime ton prochain. Love your neighbor. Dis lui aime ton entourage. Say love your neighbor. Dis aime ton prochain. Love your neighbor. Dis lui aime ton entourage. Love your neighbor. C'est dangereux dans l'église. It's dangerous in the church. Qu'on ne pratique pas de l'amour. And you don't practice love. Vous savez celui qui a l'amour. The one who have love. Ne parle pas derrière son prochain. Doesn't gossip. Celui qui a l'amour. The one who have ne love. Ne rentre jamais dans une rébellion. He doesn't go to rebellion. Celui qui a l'amour. The one who have love. Est habité par un esprit de paix. He has a spirit of il peace. Il cherche toujours la paix. Always seek il for peace. Il cherche toujours à unir. Always seek to united. Si tu vois quelqu'un, somebody, qui vient te rencontrer des choses, he come to report. Voici comment le pasteur est. Si vous êtes pasteur, voici ce que le pasteur fait. This is what pasteur. Il n'a pas l'amour. He doesn't have love. Parce que la Bible dit, the Bible says, l'amour couvre tout. Love covers. L'amour pardonne tout. Love forgive everything. Regarde ton voisin, demande-lui maintenant. Ask your neighbor. Faut, est-ce que tu as l'amour de ton prochain? Do you have love? Non, demande-lui. Ask your neighbor. Do you have love? Non, faut bien lui demander. Ask him well. Ask him well. Non, faut bien lui demander. Ask him well now. Faut lui dire, est-ce que tu as l'amour de ton prochain? Do you have love? Il y a des personnes. There are some people. Mais qui ne pratiquent pas l'amour. They don't practice love. C'est pas parce que tu as donné de l'argent. It's not because you gave money. Que tu aimes. That ou même tu as l'amour en toi. And you have love in non. You. No. C'est quand tu ne parles pas de ce que tu as fait. When you're not c'est là où on about dit it. Que tu aimes. They have said et que love. Tu as l'amour en toi. Then you have love in you. Je l'ai hébergé. You love ça fait 50 ans il est chez moi. Il ne fait rien. He does et tout Paris est au courant. All ce n'est pas no. De l'amour. It's not love. Qui veut apprendre à aimer aujourd'hui? Who want to love?
Qui va apprendre à aimer? Who want to love? Who want to learn how to love? Qui va avoir l'amour en lui? Who want to have the love in him? Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Vous savez? You know? Vous pouvez être avec le Seigneur. You can be with the Lord. Pendant des années de conversion. Years of conversion. Et Dieu pour vous montrer son amour. God to show his love. Peut vous faire traverser des temps difficiles. He can make you to cross hard times. Je prends un exemple. Regardez Pierre. Look at Peter. Pierre savait pêcher du poisson. He knew how to fish. Pierre était pêcheur. He was a fisherman. C'était son travail. That was his work. Mais la Bible dit. Et Baba said, Jésus lui dit. Montons dans cette barque. Let us go to allons à l'autre bord. And let us cross over. La Bible dit. Et Baba says, Jésus ce jour-là. Jesus, on that day, ils ont pris la barque. Ils ont oublié même le Seigneur. They forgot the Lord. Ils sont partis. They went away. La Bible dit Jésus est monté sur une montagne. Jesus went to a mountain. Après des heures de prière. After years of va prayer, descendre de la montagne. He come back. La Bible dit il commence à marcher sur l'eau. He was walking on the water. Jésus monte dans la barque. He went to the barque avec the ses disciples. The boat. La Bible dit. The Bible says, Jésus commence à dormir. He began to sleep. La barque maintenant commence à se remplir d'eau. And they were filled of water. Ça s'est rempli d'eau. We're filled of water. Pourtant quand on partait. When they were going. On n'a pas dit on allait aller. C'est toi qui nous as dit allons-y. Let us go. Jésus est dans la barque. Jesus is the boat. La Bible dit. The Bible says, la tempête se lève. The storm stills. La barque se remplit d'eau. And the boat. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Well, Jesus did. Jésus fait quoi? He said what? Jésus fait quoi? He, what he said? Il dort. He was sleeping. Mais si longtemps. It, Jésus est en train de marcher avec Pierre. He was walking with Jesus. Pendant des mois. Were Peter. Pendant des années. Yes. Mais il fallait ce problème. He only this problem. Pour que Dieu puisse leur montrer. So that God can l'amour qu'il them. A pour eux. The love he has for them. Il arrive des fois. There are sometimes, dans votre marche chrétienne. In our way, les problèmes peuvent arriver. Problem can come. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. God has si tu meurs dans ce problème. If you die, c'est if que Dieu t'a abandonné. God mais je n'ai jamais vu. Un homme qui passe près de la croix. Qui reste toujours le même. Quelque chose se passe forcément dans sa vie. Parce que quand il passe. When il rencontre le Christ. Christ. La Bible dit Jésus se réveille. Jesus wake up. Pierre dit. Mais maître. Ne t'étonne pas que nous périssons. Master, we are dying. La Bible dit qu'il se réveille. When you wake up, il menace le vent et la tempête. He calm. Et tout s'arrête. And everything stops. Écoute-moi bien. Listen to me. Si tu pratiques l'amour en toi, if you practice love, peu importe you, la zone de turbulence où tu seras, it doesn't matter where tu you ne are, mourras point à cause de l'amour. You will not die because of love. Tu ne mourras point à cause de l'amour. You will not die because of tu ne mourras point à cause de l'amour. You don't die because il y of avait love. Un homme qu'on appelait Lot. The man we call Lot. Qui aimait Dieu tellement. He loved God la so Bible much. Dit the Bible says, Lot avait désobéi d'abord à son oncle. To his uncle, qui s'appelait Abraham. Abraham. Ils ont eu des histoires. Told, et ils se sont séparés. La Bible dit que Lot est allé à Sodome et Gomorre. Went to Sodom and Gomorrah. Oh, vous savez, à Sodome et Gomorre, you know, Sodom and Gomorrah, c'est des sodomites qui habitent. Sodomi, c'est ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. They don't la Bible dit say, dans cette ville, in that city, quelque chose va se passer. Something happened over there. Dieu dit à Abraham, God said to Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrah. I'll destroy Sodom and Gomorrah. Abraham dit à Dieu, mais il y a quelques justes qui vivent là-bas. Dieu dit même ceux qu'il n'y en a pas. Je vais détruire tout Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit, ce jour-là, les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Pendant la nuit, la Bible dit ils ont frappé à la porte de Lot. Lot ouvre. Lot open. Quand il les a vus, when he saw them, il a remarqué que he noticed, c'était le Seigneur qui le visitait. The Lord who il a pris ses anges he took those et les a gardés chez lui. He kept them. La Bible dit, said, les habitants de Sodome comment sont arrivés. Those who live there, ils ont dit à Lot, they said to Lot, nous savons we know, qu'il y a des étrangers que tu caches chez toi. Stranger around Lot dit non. Lot said no. Il dit si, donne-nous yes. Ces hommes. Give us them. Lot a dit non. Lot said no. Je préfère donner mes filles I prefer to give my daughter à la place at the de ces place hommes. Or those people. Qui peut faire ça? Who can do it? Qui peut le faire? Who can do it? Mais comme Lot, because Lot avait l'amour du Seigneur, he was having the love celui of God. Qui aime Dieu, he loved the est prêt à se sacrifier pour Dieu. He is ready to sacrifice. Celui qui aime Dieu, the one who loved est prêt God. À tout abandonner pour Dieu. He is ready to ce n'est pas dans les bons moments qu'il invoque Dieu, même dans les moments difficiles, in the after, il sait que Dieu est auprès de know lui. God is around. Celui qui a l'amour de Dieu, the one who have the love of il God. N'abandonne pas Dieu. He doesn't abandon God. Regardez Jonas. Look at Jonas. Jonas était dans le ventre du poisson. He was in the belly of the pendant fish. 3 jours, 3 nuits. 3 days, 3 nights. La Bible dit. The Bible says, Jonas dormait. He was sleeping dans le ventre du poisson. In the belly of the mais fish. Ce qui m'a marqué, c'est Jonas. What shocked me? La Bible dit. The Bible says, Jonas n'a pas commencé à pleurer. He did not begin to cry. Il dit, oh Dieu. He said, oh Lord. Je me souviens de tout ce que tu as fait. I remember all you have je done. Me souviens de tes promesses. I remember all your promises. Quand j'étais sur la terre. When on the earth, voici ce que tu as fait. This is what you did. Quand j'étais ici. When we are here, voici ce que tu as this fait. Is what you did. La Bible dit. The Bible says, quand Dieu. When God, a regardé le cœur de Jonas. Look at the heart il a vu Jonas. L'amour que Jonas avait. He saw the love of Jonas. Je ne veux pas que tu sois comme des personnes. I don't want to be like quand the people. Tu as des problèmes. When you have a problem, tu oublies en même temps Dieu. You forget God.
Est-ce que Dieu là-même il existe? Is God existing? Mais quand tu es un peu béni, when you are blessed, oh, il m'a béni. Oh, he has blessed non, me. Dieu n'est pas seulement pour la bénédiction. God is not there for blessing. Il est celui qui éprouve. Is the one who make, mais pourquoi il t'éprouve? Why he put in trial? Quand Dieu commence à t'éprouver, when he put in trial, c'est que la bénédiction qu'il t'avait donnée hier, he made the blessing celle qui arrive est plus grande. What is coming is greater. Celle qui arrive est plus grande. What is coming is greater. Donc pour ne pas que tu gâches cette bénédiction, so you not to spoil il prend blessing. Le temps de te préparer. He take time to prepare il te you. Prépare. To prepare you. Quand les gens te regardent, when people look on dit de bien va à l'église. Sa vie n'a même pas changé. Regarde comment elle a maigri. Son mari l'a chassé. C'est celui qui t'a mis dehors. Il y a un prophète qui est bon qui viendra te chercher. Celui qui t'a fermé la porte. Il y a quelqu'un qui est bon qui viendra te chercher. Si à quelqu'un il te faut l'amour de Dieu, dis-lui il te faut l'amour de Dieu. Love of God. Dis-lui il te faut l'amour de Dieu. You need the love of God. Dis-lui il te faut l'amour de Dieu. You need the love of God. Qui aime Dieu? Who love God? Qui aime Dieu? Who love God? Ne viens pas à l'église. Don't come to church. Parce que tu cherches un mari. Because you are looking for husband. Tu n'auras jamais. You will not get it. Tu n'auras jamais. You will not get it. Tu n'auras jamais. You will not get it. Ne viens pas à l'église. Don't come to church. Parce que tu cherches un enfant. Because you are looking for tu n'auras jamais. You will not get it. Mais tu viens à l'église. Come to church. Parce que tu aimes Dieu. Because you love God. Et comme tu aimes Dieu, because you love God. Il commence à t'aimer. He will love et you. Quand il commence à t'aimer, when he began to love il connaît you, tes besoins. Il connaît ton problème. Il ne te dira pas que tu as besoin d'une maison. Non. Quand il te regarde, il comble le vide qui est en toi. Il feel the emptiness in you. Dis à quelqu'un tu n'auras pas. You will not get it. Faut lui dire ça. Ah, je viens voir le prophète. J'ai un problème de logement là. I have problem of house. Il va prophétiser. You prophesy. Quand il va voir ma maison. And I'll get my house. Mais Dieu connaît ta pensée. God know your thoughts. Dieu n'exauce pas la prière. God doesn't exhaust prayer. Dieu exauce la pensée de ta prière. God exhausts. Si tu as une pensée pieuse, si tu as une pensée sanctifiée, if you have a une pensée remplie d'amour, full of love, une pensée remplie de partage, full of sharing, je confesse de ma bouche que tu ne vas pas quitter cette terre étant pauvre. Tu ne quitteras pas la terre étant pauvre. Tu ne quitteras pas cette église comme tu es venu. As you came. Le plus souvent, ce qui tue l'amour, what you love, c'est le manque de reconnaissance. Is the lack of, parce que certains n'ont pas grateful. Été reconnaissants. Some were not grateful. On oublie en même temps Dieu. They forget God. On dit, hey, say, hey, si elle savait, elle n'est pas fait. If, had I know, souvent, I c'est le manque même de reconnaissance the lack of qui fait qu'on n'arrive plus à faire du bien. Then we cannot do good. La Bible dit, the Bible says, l'amour pardonne tout. Love forgive everything. L'amour supporte tout. Lord endure everything. Quelqu'un qui a l'amour, the one who have love, qui vient de Dieu, he come from même below. Quand il n'y a pas de reconnaissance, when there is no gratefulness, il continue. Il continue. L'amour, love, ne garde pas des rancunes dans le cœur. Doesn't keep grudgy. Il y a plus aujourd'hui qu'on a haine. Some have. On m'a tout fait du mal, je peux pas pardonner. Ça là seulement jamais. This one I cannot forgive. No. Quand tu peux dire, this one I cannot forgive. No. I cannot. No. I cannot. Mais tu n'as pas l'amour de ton prochain. You don't have the love of your neighbor in you. Ça là, faut pas te. Tu peux this tout one, toucher. This one, don't mais sauf it. Ça. This one, don't take it. Qui a porté ma chaussure? Who wear my shoes? Parce qu'on a porté ta chaussure. Because they wear your shoes. Est-ce que le monde va s'arrêter? Is the world going to stop? Même si tu prophétises, even you prophesy, même si tu as reçu le baptême de feu, even you receive a baptism of même fire, même si tu es prédicateur, even you are preacher, et que tu n'as pas l'amour de ton you prochain, don't have love of your neighbor, tu n'es rien. You have nothing. J'irai plus loin. I go further. Vous savez quand on meurt, when you die, beaucoup ont peur de parler de la mort. Many fear to talk about death. C'est un passage où tout le monde va passer. It's a passage everybody will pass. Ceux qui sont convertis, those who are converted, en réalité n'ont pas peur de la mort. They don't fear death. Mais ils ont peur d'une seule chose. They fear one thing. Comment est-ce qu'ils vont partir? How they will go? Ce qui fait peur, what fear ce n'est pas la mort. It's not death. Mais comment est-ce qu'ils vont partir? How are they going to go? Parce que comment tu t'en vas, the way you go, détermine ton jugement. Depend also of your judgment. C'est ce qui fait peur. It's what makes me scared. C'est la seule chose. The only thing. Est-ce que je serai bien? I'll be good. Où est-ce que Dieu va me trouver? And go where où est-ce God, que la mort va me trouver? When the death will come.
Oh, je bénis Dieu. I bless the Lord. Avant de naître, before il ne te dit pas que tu vas naître. He didn't tell you pour te prendre aussi, il ne te dit pas. Dieu est un mystère. God is a mystery. Mais comment faire? How can you do? Pour ne pas avoir peur. For now, you not de comment on va partir? C'est de cultiver l'amour. To cultivate love. Je vais vous donner une révélation. I'll give you a revelation. Quand on meurt, when you die, on ne va pas avec ce qu'on a. You don't go with on what va avec ce qu'on a donné. You go with what you have. Quand vous voyez une personne, when you see a person, quand on fait ses funérailles, when they are doing funeral, et qu'il n'y a personne, but nobody, il était mauvais. He was wicked. Il était trop mauvais. Wicked. La mort, death, ne va jamais honorer never honor quelqu'un qui est mauvais. The one who is wicked. Écoutez-moi bien. Listen to me. Quand on meurt, when you die, on ne va pas avec ce qu'on a. You don't go with what on you have. On va avec ce qu'on a donné. You go with what parce you have given. Parce que ce qu'on a reste. What you have remained. Mais l'amour que tu as donné aux gens. The love you gave to people. On dit, hey. He said, what je ne peux pas rester là. Hey, I cannot stay here. Non, je dois aller là-bas. I have to be go there. Elle a trop fait pour moi. She has done much elle for a me. Trop fait pour moi. She has done much ce for qu'elle me. M'a donné. What she gave ce me. Qu'elle a fait. What she did. Si je ne vais pas là-bas, if I don't go ce there, n'est pas bon. It's not good. Mais une personne qui décède, the on dit ses funérailles sont quel jour? The funeral is et c'est là que quelqu'un est organisé pour voyager. And c'est que la personne était mauvaise. The person was wicked. C'est l'amour que tu as donné aux gens. It's the love you gave. Quand tu t'en vas, where you are going, il te donne en retour. They give it back to you. Il y a du monde. Crowd. Mais dans cette église, in this church, je crois de tout mon cœur. I believe with all my personne heart. Ne va mourir jeune. Nobody will die yet. Le jour où tu dois partir, the day you have tu seras rassasié, fatigué. You'll be full of et tu diras, l'Éternel, viens me chercher. And you say, Lord, come and take me. Parce que ceux qui sont avec Dieu, those who are with God, qui marchent avec le Seigneur, those who walk with en réalité God, ne meurent pas. In reality, they mais die. Ils expirent. They expire. Ils expirent. They expire. La Bible dit Jésus-Christ Jesus Christ, à la croix, at the cross, il dit Père, he said, Father, je te remets mon esprit en tes I mains. Give you my spirit, la Bible dit il expira. And expire. Je prophétise. I prophesy, avant que tu ne quittes la terre, before you leave tu vas d'abord donner ta vie entre les mains de you Dieu. Give your et life tu vas to God, expirer. And you expire, tu vas expirer. And you expire, la mort ne va pas venir te chercher. Tu vas expirer. Au nom de Jésus. Mais la clé de la bénédiction surnaturelle, the key of the supernatural blessing, c'est l'amour. Love. Souvent quand on donne, when sometimes we talk, on ne voit rien physiquement. You see nothing physically. Mais spirituellement, in spiritually, quand tu donnes, when you il y a quelque chose qui commence à se passer dans ta vie. Something happened in your life. Regardez la femme. Look at the woman. La veuve de Sarepta. The Sarepta widow. Dieu dit à Élie. God said to Elijah. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. I command a widow to feed Dieu you. N'a pas dit j'ai dit. He didn't say, il dit j'ai ordonné. I commanded. Ordonné vient dire veux-tu quoi? Commanded. C'est un ordre. It's an order. La Bible dit. The Bible says. Élie arrive. Elijah arrives. Chez la veuve de Sarepta. The widow of Sarepta. Et puis elle regarde Élie. She look at Elijah. Elie, ton Dieu est vivant. Your God is mais alive. Ce que j'ai là. What I have. C'est pour moi et mon enfant. It's my, for my après son quoi nous mourrons. After that you die. Dis révélation. Say revelation. La Bible dit. The Bible says. Élie dit à cette femme. Elijah said to her. Donne d'abord à l'homme de Dieu. Give to first to the man of God. Et quand tu vas donner à l'homme de Dieu. When you give first to the man of God. Et quand l'homme de Dieu va manger. And when the man of God quelque eat, chose va se passer. Something will happen. La Bible dit. The Bible says. Quand tu donnes à l'homme de Dieu. When you give to the man of God. Automatiquement. Automatically. La quantité de farine. The quantity of flour. Dans sa maison. And in the house. Et l'huile. And the commence oil à s'augmenter. Began to increase. Commence à s'augmenter. Began to increase. Mais en réalité. In reality. Ce que cette femme avait. What the woman was having. La quantité de farine qu'elle avait chez elle. The quantity of flour. N'était pas assez. Not, la Bible dit, the Bible says, quand tu es donné à l'homme de Dieu, ce n'est pas en réalité la farine qu'elle a donnée, mais c'était son problème. It was the problem. C'était son manque de foi. The lack of faith. C'était son manque d'amour. The lack of quand tu as fini de donner à Dieu, giving, ce que Dieu lui donne what God n'a rien him à voir avec ce qu'elle a donné. Nothing, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Peut-être que quand tu viens dans cette église, c'est ce que tu as que tu apportes. C'est ce que tu as que tu donnes. Tu ne mourras point sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras point sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des personnes, there are people in, quand tu les regardes, when you look at them, il te dit que lui il aime tout le monde, mais en réalité il n'aime pas les gens, il est méchant. In reality, they are, parce que moi il y a quelque chose je ne peux pas comprendre. Hey, quelqu'un qui peut être en France. Somebody can be in France. Tu connais la réalité de l'Afrique. You see the reality of Africa. Hey, ta maman t'a mis au monde. Your mother ou ton père t'a mis au monde. Your father gave tu viens en France. You live et tu oublies ta famille. And you forget your family. Est-ce que ça là, il y a prière pour ça? There is easy prayer. There is a prayer for it.
necessary your prayer? Is prayer for it? Dieu vous demande. Is there any prayer for it? Il y a prière pour ça. Is there any prayer for it? Mais tu es mauvais. Et cela, c'est le premier à dire à mon nom qu'elle soit ou ma maman. Il y a une dame qui est venue me voir un jour. A woman came. Il est en train de prier pour elle dans le bureau. She, papa, daddy, si je t'explique ce que mon père m'a fait. If I do, I explain to you what my father did. Il y a eu France, ça fait combien d'années? See, yeah, when you are in France, ça fait 10 ans. 10 years. Il y a eu un papier. Do you have paper? Elle dit non. No. Tu attends. You, elle dit non. No. Tu as enfant. Do elle dit non. No. Tu as mari. Elle do dit non. Husband? No. Tu as domicile. You, do you have house? Sans domicile. No, quand il a regardé, when I look at her, il a dit ton problème. Your problem, ce n'est pas la spiritualité. It's not spiritual, c'est la méchanceté. It's weakness. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur. There is no love in your heart. Mais peu importe ce que ton père t'a fait. It doesn't matter what your la father Bible dit. Did. Honore ton père et ta mère. Honor your father and your mother. C'est le seul commandement. It's the only commandment. C'est le seul commandement. The only commandment. Qui attache une bénédiction. Which there is il dit honore ton père et ta mère. Honor your father pour que tes jours se prononcent sur la terre. So that your day can be long. Il n'a pas dit honore ton père qui est converti. Said, ou même ton père qui prophétise. On dit honore ton père et ta mère. Honore your father and mother. Elle est sorcière. Comment elle a fait pour te mettre au monde? If witch and wizard, tu penses qu'elle ne connaissait pas ton avenir? Elle pourrait te manger, même te détruire. She could like eating you, destroy you. Yes. Mais il a plu à Dieu être mis au monde. It please God. Tu peux même sanctifier pour lui donner. You can pray for. Mais elle même souvent dit elle est sorcière. So parce qu'elle n'a même pas ses enfants pour payer qu'une magie. Maybe because et on sait que toi tu le viens, c'est que tu offenses. And everybody et toi tu vas demander qu'une magie chez les voisins. And you go mais on dit qu'elle est sorcière. And we'll say you are que l'éternel vous délivre. 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 Et c'est ceux-là. Those people, qui ne sont pas remplis d'amour. They are not full of qui love, croient en ces gens de prophétie. And believe in those prophecy. Je vais aller dans une autre dimension. I want to go to another. Il y a des gens souvent prophétie dit. Prophétie said. Ainsi parle le Seigneur. Then serve the Lord. Tu es fait pour marier telle personne. You are made to marry this. Et puis la personne est là, on dit on vous unit. And united you. Je suis le seul prophète, je ne crois pas en ça. I'm the only prophet, I don't believe in it. Dieu ne donne pas de femmes. God doesn't give woman. L'homme choisit. You choose. Et Dieu agrée. And God bless it. Dieu ne donne pas de femmes. God doesn't give woman. Aujourd'hui on se plaint. Today we complain. Pourquoi nos églises en France ne sont pas grandes? Mais si nous croyons aux faux prophètes qui viennent, qui prophétisent, Dieu dit, attends, quelqu'un que toi tu n'as pas encore aimé, comment Dieu peut te le donner? You don't love and God give him. Écoute-moi bien. Listen to me. Dieu n'est pas un homme pour draguer. God is not a man Dieu to date. Dieu n'est pas un homme pour draguer. God is not a man to date. Dieu ne drague pas. God doesn't date. Dieu valide les mariages. God bless Dieu bénit les mariages. God bless Dieu unit les mariages. God unites marriage. Oh Seigneur, oh Lord, donne-moi l'homme que tu veux. Give faut pas aller chercher ton mari, faut t'asseoir. Don't go and look for it. Answer. Oh Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, Lord. Quel Seigneur? What is Lord? Attends, toi tu vas te mettre propre pour mettre parfait sur toi pour marcher. Make yourself clean. Maintenant que nous les pasteurs on va voir là, quand on vient en prophétique pour vous unir. Ouais, mais un professeur qui. Tu fais pas tissage. You don't make your hair. Tu te mets pas parfum. You don't put perfume. Tu es bizarre. You are so quand tu as adoration, même tes voisins s'en vont. Where you are worshiping your oh, le Seigneur, donne-moi un mari. And you say, Lord, give me husband. Quel Seigneur? Which Lord? Et qui vous a menti? Who lied to you? Pour avoir un homme, il y a des conditions. You have an husband, you have a pour avoir un foyer, il y a des conditions. You have home, there is a condition. Je vais monter dans la révélation. I want to go to revelation. Qui dit prophète monte, je monte. C'est prophète go à go. Qui dit prophète monte, je monte. Prophète go à go. Qui dit prophète monte, je monte. Prophète go à go. La beauté. Beauty. La beauté. Beauty. Peut te donner un gars. Can give you a mais c'est comportement qui donne foyer. It's a app that you give. Aïe 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 aïe. La beauté te donnera 10 gars, 20 maris, plusieurs personnes. Mais ton comportement te donnera un foyer. Ton comportement te donnera une femme. Ton comportement te donnera un homme. Tu mets ton maquillage. Amen. Même l'homme va mettre costume. T'en fous de il peut marcher comme ça, l'homme. Can work like that. Il peut marcher comme ça. Can work like that. Ça va donner go. It will give a friend. Mais ce qui donne foyer, what gives c'est le comportement de l'homme. Your character.
La femme peut mettre virge à lèvres. You can make right. Elle est belle, elle marche comme ça, elle touche pas le sol. She walk like that. Mais ce qui lui donne foyer, what give home, c'est son comportement. Your character. Écoutez, listen. Cultivez l'amour. Cultivate love. Tu ne peux pas être une femme. You cannot be a et woman. Tu rencontres un homme. L'homme a ses enfants. The man has vous vous mettez ensemble. You are together. Toi, tu n'as pas d'enfants, puis tu n'aimes pas ses enfants. C'est normal. You don't love his. Are you normal? Écoutez. Listen. Aimer l'enfant d'autrui amène Dieu à te donner des enfants. Love somebody's child. Il y a des choses que moi je n'arrive pas à comprendre. There are things I cannot understand. Deux personnes s'unissent. You are united. Et puis c'est les enfants qui sont les problèmes. And child children are problem. I cannot understand. Écoutez. Listen. Je disais à un couple une fois. I said to a couple one day. Ils ont divorcé, ils faisaient des histoires. And divorce will make a par rapport aux enfants. J'ai dit au monsieur. I said to a man. En réalité, in reality, quand Dieu dit, when God said, l'homme quittera son père et sa mère, man will leave her husband, s'attachera à sa femme, and will attack you with the wife, et tous deux deviendront quoi? And they will become one. Tous deux deviendront quoi? They will be one. Une seule chaîne, non? They will become dix révélations. Révélation. Ils se mettent ensemble. Mais en réalité, dans la révélation, in the reality, in the revelation, une seule chaîne n'est pas la bague qu'on porte. The one, become one is not the ring you une seule chaîne. One. Selon le logo, c'est la bague qu'on porte. It's not the ring. Mais selon le rhéma, la révélation, ce n'est pas la bague qu'on porte. It's not only the c'est ring. L'enfant. Pourquoi? It's a child. Je vous donne la révélation. I give you a... Parce que quand l'homme when the man fait l'enfant have a child avec la femme, with a woman, la femme, l'enfant porte le sang de la femme. The l'homme aussi porte the le sang of the, de l'enfant. Or the two, donc l'enfant a les deux sangs. The two le village de la maman aussi le village de l'enfant. Le village du papa est aussi le village de l'enfant. The village of the child. Même s'ils ne sont plus ensemble, even we are not ils sont unis à cause des enfants. Ils se feront à cause des enfants. Ils mangeront à cause des enfants. Ils danseront à cause des enfants. C'est ça la révélation. Maintenant, l'homme vit avec toi. The man comes ou la femme vit avec toi. The woman live with you. Tu dois aimer ses enfants. You have to love his children. Mais si tu ne le fais pas, if you don't do tu it, n'as pas l'amour en toi. You don't have love in you. Nous, on peut rester ensemble. We can be together, hein? Chérie. Darling, moi je t'aime. I love you, hein? Mais tes enfants. But your children. Est-ce que c'est normal? Is it normal? Je vous demande, est-ce que c'est normal? Is it normal? Est-ce que c'est normal? Is it normal? Il y a deux choses que Dieu nous demande sur la terre. God is asking you. La première des choses. The first thing. Nous devons nous réconcilier avec Dieu lui-même. What to reconcile ourselves with God? Deuxième ces choses. The second thing. Nous devons nous réconcilier entre reconcile les hommes et nous. Men, moi another. Je ne peux pas comprendre. I cannot understand. Que tu es chrétien. You are Christian. Et ça fait des mois tu ne parles pas à ton voisin. You don't talk with your neighbor. Mais souvent même vous êtes dans la même église. Attends, tu es sorcier. Are you a witch? Et toi mais tu es normal. Et toi là. You are there. Et tu pêches. You sin. Tu as une mauvaise vie. You have a quand tu parles à Dieu, il t'attend. When you speak to God, God hear you. Et puis ton voisin. And your neighbor. Vous venez à l'église. You come to tu ne lui parles pas. You don't talk with him. Et toi, tu es dans la présence de Dieu. And you are in presence of the Lord. Est-ce que tu es chrétien? Are you Christian? Est-ce que tu es chrétien? Are you Christian? Toi, attends, tu ne parles pas à ton voisin. You don't speak to et puis toi tu parles à Dieu, quelqu'un que tu ne vois pas. And you are speaking et si tu écoutes même. Did he listen to you? Je vais emmener l'église ce matin. I want to bring the où je dirai cet après-midi. This afternoon, à abandonner tout ce qui est dans votre cœur. You abandon what is in your heart. Quand vous avez l'amour, when you have love, vous ne gardez rien. You don't keep nothing. Vous pouvez tout porter sur vous. You can carry mais rien everything. Ne rentre dans votre cœur. Comme heart. Jésus était l'amour. Il ne pouvait pas porter le péché en lui. Il portait le péché sur lui. Quand tu as l'amour, quand les problèmes viennent, ils ne rentrent pas en toi. Tu les portes sur toi. Quand tu les portes, ça tombe. Quand tu les portes, ça descend. Mais ne les mets pas en toi. Parce que c'est ce qui rentre en toi qui te détruit. Ce qui est à l'extérieur ne peut pas te détruire. C'est ce qui est en toi. What is in you? Pilate a regardé Jésus. Lord, look at, il a dit à Jésus, look at Jesus. Es-tu la vérité? Are you the truth? Jésus dit si tu le dis. Jesus says, vous savez pourquoi? Do you know why? La vérité the truth? Ne parle pas d'elle-même. You don't talk about yourself. C'est les gens qui font la publicité de la vérité. Make your advert. Amen. Amen. Cultivez l'amour. Cultivate love. Peuple de Dieu, aime ton prochain. Love your neighbor. Aime tes pasteurs. Love your pastor. Ne cherche pas à créer des problèmes. Don't try to cause ne cherche problems. Pas à créer des histoires. Don't try to cause. Il faut avoir un grand cœur.
Il faut aimer ton prochain. Il faut partager. Share. Sans arrière-pensée. Without talking. Parce que souvent on prie. Sometimes we pray. Tu veux que Dieu te donne quelque chose que tu n'as jamais donné. You want God to receive. Mais comment il va le faire? Pour que Dieu te donne ce que tu n'as jamais donné. For what you il faut faire aussi ce que tu n'as jamais fait. Do what you have never done before. Miracle par surprise. Ça arrive quand souvent tu as aidé des gens. Sometimes ils n'ont même pas été reconnaissants, mais Dieu prend quelqu'un que tu ne connais pas. God bring tu n'as jamais aidé. You have never seen, you have never quand helped. La personne te rencontre, he meet you, la personne t'ouvre des portes. He know an open door for you. Qui veut aimer son prochain? Who want to love his neighbor? Même si ta soeur marche sur toi, even your step on your toe, ne parle pas. Don't talk about it. Laisse-toi à Dieu. Leave your own to God. Faut cultiver l'amour. Cultivate love. Les grandes personnes, the great people, qui sont rentrés dans l'histoire, who went into c'est ceux qui ont partagé l'amour. There are those people who cultivated love. Quand on vous parle de Mère Teresa, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas connu. Mais partout on chante son nom. Everybody was, parce qu'elle a cultivé l'amour. She cultivated love. On peut tout dire du catholique. Catholic, mais la seule chose qu'il retient du catholique, the only thing I keep l'amour est prêché au catholique. Love is preached over there. Un catholique, a Catholic il peut prendre quelqu'un qui n'est pas son enfant et puis l'amener à l'école. Send it to school. Évangélique. Évangélique. Il y a longtemps ils t'ont tué. Si Dieu t'a pas ressuscité, il faut dire gloire à Dieu. They'll kill you. Écoutez. Listen, faut que l'amour soit dans votre cœur. Love has to be in your heart. Partage avec ton frère. Share with your neighbor. Aime ton frère. Love your neighbor. Aime ta soeur. Love your sister. Aime ton pasteur. Dis à quelqu'un, Dieu va faire. C'est... Dis encore, Dieu va faire. God will do it. Dis encore, Dieu va faire. C'est God will do it. Dis encore, Dieu va faire. God will do it. On va tous se tenir debout. We'll be on our feet. Mais tu as une relation extérieure. You have another relation. C'est avec un blanc. With a white man. Mais tu ne sais pas si tu peux aller ici. You don't know if you can go here. Ou tu dois venir ici. And you have to go here. J'ai une pensée pour toi dans ma bouche. I have a thought in my je brain. Ne sais là où tu es. Viens. I don't know where you are, but viens vers moi. Come. Ferme les yeux. L'Éternel est fidèle. The Lord is faithful. Je te bénis. I bless you. Parce que tu ouvres les portes. You open doors. Prends le plan et fais-moi des petits-fils métis. Ça va marcher. Dieu t'ouvre les portes à partir d'aujourd'hui. Seigneur, tu es Dieu. Agis. Manifeste tes grâces, tes faveurs. L'Éternel est avec toi. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Shalom. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a fait. Il y a quelqu'un actuellement qui prie. There's somebody saying, qui a déposé les dossiers quelque part. Put your file somewhere. Ou celui qui doit l'embaucher. We want to take care of. J'entends Rodolphe. I hear Rodolphe. Si tu es là, viens vers moi. If you are here, come. Rodolphe. C'est ton sujet de prière. Is your prayer topic. J'entends Rodolphe. I hear Rodolphe. C'est celui qui doit t'embaucher. We want to employ Adolphe, you. Rodolphe. C'est ce qui sort de Rodolphe, I hear Rodolphe. Viens, je vais prier pour toi. Come, I'll pray for you. Ne t'assois pas sur ton sujet. Don't sit on your. Dieu est capable subject. De faire. Tu es capable de faire. God is il y a une autre jeune dame qui t'a donné deux fois dans ta vie. Ça n'a pas marché. Viens. Je vais enlever une malédiction. C'est ta tante qui a prononcé sur ta vie. Tu es vivant. God is alive. Lève tes mains. Raise your hand. Lève tes mains. Gloire en ton nom, Seigneur. C'est bon. On se dispose, s'il vous plaît. We are being ourself. Béni sois-tu, Seigneur. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. J'enlève la malédiction. Allongez-la doucement. Touche! J'enlève la malédiction. J'enlève cette malédiction. Si l'Éternel est mon Dieu, et si je suis prophète de l'Éternel, et je vois un mariage, il faut accepter dans le secret. Ça sera précisément un jeudi. Je vois précisément à 14h. Je vois un mariage à 4 et après vous irez au pays pour faire une grande fête. Mais ne le fais pas grand ici. Fais-le ici dans le secret. Et au pays, ça sera grand. Je suis ton serviteur, tu as parlé de ma bouche. Merci, parce que tu parfais le foyer. Ça marche. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Tu vas lever ta main droite, tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je crois en toi. I believe in you. Saint-Esprit. Holy Spirit. Merci. Thank you. Pour les portes que tu ouvres. For the door you open. Seigneur Jésus. Holy Spirit. Je crois en toi. I believe in you. Seigneur. Lord. Je vais prier pour une personne. I want to pray for a person. Tu avais les papiers. You have the et on t'a arraché les document. Papiers.
Quand je vais te toucher, ça va marcher. When I'll touch you, non, pas toi, pas toi. Not you. C'est un homme, viens. It's a man. Remove your shoes. Lève légèrement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Si je suis ton serviteur, donne-moi la main. Merci Seigneur. Parce que les portes s'ouvrent. Je suis ton serviteur. I'm your servant. Tu m'as dit, à chaque fois que je vais ouvrir ma bouche et parler, et tu vas tester ses paroles et l'accomplir. Cette année, il vient vers moi pour me montrer qu'on lui a redonné les papiers. Si je suis ton prophète, j'annonce cela sur sa vie. Touche, Jésus. Touche, je brise la malédiction. Je brise la malédiction. Tu ne retourneras dans ton pays avec la tête haute. Tes projets ne mourront point. Tu as beaucoup de projets, tes projets ne mourront point. Tu retourneras dans ton pays la tête haute. Dieu va beaucoup te bénir. Dieu va te bénir. Parce que je te vois faire des affaires dans les ports et sports. Dieu va te bénir. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Accomplis ta parole. Shalom. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Enlève la main droite. Lève ta main droite. Là, qui est là parmi vous? Ça fait des mois que tu ne vois pas ce que les femmes voient. Viens devant. C'est bon. Toi, tu vas prendre ta clé dans pas longtemps. Parce que j'ai vu. Seigneur, accomplis ta parole. Merci. Parce que tu lui donnes la clé de son logement. Tu me l'as montré. Seigneur, merci. Elle se tiendra devant l'assemblée et témoigner. Merci. Parce que tu ouvres les portes. Merci. Parce que Père, tu stabilises sa vie. Béni sois-tu parce qu'elle a une santé équilibrée. Ah, ma vie. Je vois un bébé dans tes mains. Je m'étais accompli ta parole. Au nom de Jésus. Amen.